Chuti wa kunzi vigani ilo vingi inovicha kuri Induni TV ndawala musano ngila kani nga baikazi vivanyi na umuhere muri kano kanya muko muizi lero Induni TV idasiwa kwa mbiwa za jira makura shushe ingino chane chane kwa kinyi wabarundi wakina hanu wa chundisi ino hanzi yigi hugu uno musi lero nguko muizi kwa maturo ndira wami mwakini wa showe guha magagwa mumugui nse yukira gigu uinamba murugamba vye mahanga uno musi lero tukawaturi kume numunye gori aladin numunye gori aladin mwye gori na wanyene hama gawe mumugui nse yukira gigu uinamba murugamba alaza kutugira ingene yakiriye ihamagaro giwe mu mugwi nsekira gihugu winamba mu rugamba mu rurimi rw'igifaransa Aladin bonjour bonjour quel est ton je m'appelle Bizimana Aladin. Aladin c'est qui? Aladin, bah, quand on parle de Aladin on fait référence souvent au personnage de dessin animé de Disney. Mais après, moi, je suis Aladin, c'est moi-même, c'est la personne qui se trouve ici. Dans quel club évoluez-vous actuellement? J'évolue au RFC Warnant, un club de National 2 en Belgique. Au cours de votre jeune carrière, quelles auraient été les difficultés rencontrées? Il y en a eu plusieurs, je dirais. Déjà, le fait d'être un gardien noir. Parce que quand on est souvent catégorisé comme des gardiens qui font souvent des erreurs, du coup, certaines personnes pensent que c'est pas notre place, quoi, et on ne fait pas forcément confiance. Après aussi le fait que j'ai commencé un peu tard la carrière de gardien, j'ai commencé plus tard que les autres. Du coup, j'avais un peu un retard technique à rattraper par rapport aux autres. Et voilà, je dirais que c'est les plus grandes difficultés. Et les succès? Oh, les succès. Les succès, ben, je peux dire, la première chose qui me vient à l'idée, c'est le fait que j'ai commencé à être surclassé à l'âge de 16 ans. Pour moi, je peux considérer ça comme un succès. Mais après, pour le reste, j'ai pas encore vraiment de succès vu que ma carrière, on va dire, elle commence seulement que maintenant et j'ai pas eu la chance, l'opportunité de gagner encore quelque chose avec une grande valeur. Comment avez-vous eu l'idée de venir servir l'équipe nationale du Burundi des U23? Bah, on nous a, à la base, on devait participer à un stage pour voir un peu les joueurs qui évoluent à l'extérieur et comparer avec les joueurs locaux. Et quand on m'a proposé cette opportunité, j'ai direct accepté. C'est pas un truc qui se refuse. Et voilà. Que connaissez-vous sur le football burundais et quelle votre appréciation? Par rapport au football burundais, je suis un peu l'actualité niveau championnat et tout, mais après le niveau, je le connais pas forcément. Je suis l'équipe nationale aussi, mais je pourrais plus parler de l'équipe nationale que du niveau des équipes locales. Parce que l'équipe nationale, ben, c'est fort diffusé. On peut suivre les matchs à la télé. Et franchement, quand je vois les matchs qu'elle propose, ben, je peux dire qu'il y a quand même du niveau. Le niveau est assez élevé. La preuve, c'est que on a participé à la dernière CAN. Et ça prouve qu'il y a de la qualité dans notre pays. Toujours par rapport au football burundais, comptez-vous un jour servir les Inamba seniors? Si oui, pourquoi? Bien sûr que je voudrais servir les Itamba seniors. Ça serait la finalité de tout ce parcours que je fais actuellement. Car ça pourrait ça permettrait de donner une image de notre pays, une meilleure image. Et ça me permettrait aussi d'être un ambassadeur de notre pays. Quel message adresseriez-vous aux jeunes footballeurs burundais pour qu'ils puissent se hisser au niveau des clubs européens? Moi je dirais le travail, c'est le plus important. Il faut beaucoup travailler et aussi être patient. Parce qu'on peut beaucoup travailler, mais quand on n'est pas patient, la plupart du temps, on rate des opportunités. Du coup, moi, je dirais qu'il faut allier travail et patience. C'est le combo gagnant, je dirais.
Vous avez probablement une référence d'un joueur qui vous marque le plus sur le plan mondial. Lequel? Sur le plan mondial, franchement, il y en a plusieurs. Tout d'abord, j'admire Cristiano Ronaldo. Même si on n'a pas forcément le même poste, mais c'est un acharné du travail. Et je pense l'être aussi. Du coup, franchement, c'est un joueur qu'on peut admirer. Après, par rapport à plus spécifiquement à mon poste, je dirais un gardien comme Ter Stegen, qui montre chaque jour qu'il est à un niveau mondial, mais aussi un gardien plus ancien qui a arrêté sa carrière et qui m'a fait aimer le football, je dirais Iker Casillas, mais aussi Mandanda, le gardien de l'OM, car c'est un gardien noir et ça a été ma première référence quand j'ai commencé le poste de gardien de but. Et au Burundi? Au Burundi, je connais pas exactement tous les joueurs, mais quand on parle du Burundi, on fait souvent référence à Berahino. Du coup, je dirais ce joueur-là. Comment trouvez-vous le Burundi? Franchement, le Burundi, je trouve que c'est un beau pays. Il y a toujours des paysages beaux à regarder. Ce qu'on nous propose à manger ici, c'est vraiment très bon. Du coup, franchement, venez ici, franchement, vous ne serez pas déçus. Vous avez sûrement des parents burundais ou un de vos parents est burundais. Pour le cas qui vous concerne, qu'en est-il? Moi, mes deux parents sont burundais, ils sont nés ici. Et moi aussi. La semaine dernière, vous avez joué un match amical avec Aigle Noir d'ici au Burundi et vous avez perdu le match sur un score de 4-0. Qu'avez-vous manqué? Ah là là, ça c'est... Je dirais un manque de cohésion, car on est tous des nouveaux joueurs ici et c'est la première fois qu'on joue réellement ensemble dans un match officiel, on va dire. Et du coup, je pense que c'est ce qui nous a vraiment manqué, la cohésion, car les Aigles Noirs, eux, c'est une équipe qui se connaissent déjà et on va dire que c'était leur plus par rapport à nous. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite de votre carrière. Merci. Ego ngira mwumvise bitare bike byo munyegori aradian avuga yuko avuka kuba vyeyi bose babarundi mugihe bamwe bawe tubona yuko abafise abavyeyi usanga umwe afise umuvyeyi w'umuzungu uwundi akaba asanzwe afise umuvyeyi w'umurundi. Reka yo ndabashimira mwese mwashowe kudukurikirana muri beshi ndese ngabonyeraho nakabyo ko kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro bya kuri Induni TV. Bye bye.